Candyman, un classique. Saison 2 du blog. Saison 2, pourquoi 2 ? Parce que c'est juste pour tirer un trait par rapport à ce qui a été fait auparavant. Et aussi une occasion pour moi de faire grimper la qualité d'édition, du storytelling, de l'image, du son, et ainsi de suite. Parce que par rapport à ce que j'ai fait auparavant, j'ai plus ou moins regardé les vidéos qui sont en ligne. Et c'est nul. Si tu connais pas, tu trouves ça sympa. Quand tu connais un peu, bah, excuse-moi, ouais, tu t'amuses bien, garçon, mais c'est nul, quoi. Donc voilà, donc on va faire un effort. Donc, c'est parti. Combien de temps t'es là? Attends, faut que je dise bonjour aux haineuses là. Salut les filles! Moyen que je reste sous la pluie. Et en plus, ça a mouillé les Jordan. Bon les enfants, si vous avez un problème avec des cours, avec un professeur, avec quelqu'un à l'école, vous m'en parlez. D'accord? Surtout toi, tu laisses pas le truc grossir. Et après, il faut le nettoyer une fois que c'est trop tard. T'as compris ou pas? Tu comprends pas un cours, tu me le dis de suite, on le revoit, ok? Il y a quelqu'un qui te perturbe, qui te prend la tête à l'école, tu m'en parles, je vais le voir, je discute, d'accord? T'as un professeur, il y a un problème avec un prof, tu m'en parles, on s'assoit, on discute avec le prof, on résout les problèmes. N'attends pas que c'est trop tard, t'as capté ou pas? D'accord? Ok? Merci. Ton pare-choc sur l'autre là, fais-le reculer sa voiture. Hein? Tu vois. Derrière ça.
Putain, on est mort. T'es marre, hein, il peut pas reculer, il y a quelqu'un derrière, c'est pas la peine. J'ai cru qu'on allait passer 2 heures. Vidéo d'une fille qui a fait un procès à ses parents car il ne voulait pas payer les frais de scolarité de son université. Tu vois, je me dis, afin de ne pas en arriver là, je vais garder toutes les factures, des fournitures scolaires, des frais de scolarité et ainsi de suite pour les enfants. Comme ça, dans 10-15 ans, le premier qui ouvre sa bouche, je vais lui faire « Hé, s'il te plaît, va me chercher le classeur là, tout en haut de l'étagère là. » Ouais, voilà. Maintenant, regarde tout ce qu'il y a dedans les factures, tu me rembourses tout ça. Un cahier de texte agenda, 2 cahiers de brouillon, 1 boîte de crayon de couleur, dessiné, feutre à profil, de couleur bleue, vert, rouge, noir, un correcteur, une discographie à peser de verre à 4, si possible en carreau, des pochettes transparentes perforées de papier carré, de papier mine, un tiers-eux, blanc, une stringole, un aluminium, un fixail, un triangle, une espoise, un glace à l'écho, quelques basalagis, la carte, quelques pensées à une carte, quelques basalagis, un zac, toi, disons de caillon, un bon pétis, un le cas, prête de tonnette, porte par nier, un paillis, un cas, un chou, un cas, un cas, un cas, un cas, un cas, un cas, Bon, on va revenir sur le lycée français par rapport à quelques critiques que j'entends et que je lis. Bon, déjà, soyons sérieux. Le lycée français est un des lycées, enfin, une des écoles à Hanoï les moins chères. Au niveau rapport qualité-prix, je dirais peut-être que c'est la meilleure de toutes. Ensuite, après, je vois bien qu'il y a des parents vietnamiens qui pètent les plombs, genre, ouais, comment ça se fait qu'on ait à payer plus cher que les Français, plus ou moins 27%. Franchement, je trouve ça, à mon avis, doit avoir une explication logique. Mais c'est vrai que j'aime pas ça. Je veux dire, une différence racialiste, j'aime pas trop ça. Mais à mon avis, le lycée doit avoir une explication logique et, bon, il faudrait peut-être leur poser la question. Mais sinon, juste entre parenthèses, quand tu vas dehors et que tu entends que l'étranger doit payer plus cher que toi, ça ne te dérange pas du tout, tu dis rien. On ferme la parenthèse. Ah, je vais me faire des amis. Ensuite, il y a des gentilles dames sur leur Facebook, sur leur groupe, qui disent « Ouais, c'est pas normal qu'on paye pour les Français boursiers. » Bon, alors on va remettre les points sur le i. 1. Toi, tu payes pour ton enfant. Tu ne payes pas pour les autres enfants boursiers. Les autres enfants boursiers, ils reçoivent la thune de France. Donc ne t'inquiète pas. 2. Relaxe-toi. Tu vois, je veux dire, relaxe-toi et sois heureuse qu'il y ait des enfants boursiers français. Ça permet justement à ton enfant d'augmenter son niveau linguistique français. T'enlèves les boursiers du lycée français, il ne reste pas grand monde. Je te le dis franchement comme ça. D'accord. Maintenant, passons aux parents français. On va parler du grand remplacement. The Great Replacement is a white nationalist right-wing conspiracy theory, which states that, with the complicity of elites, the white French population, as well as white European population at large, is being progressively replaced with non-European peoples, specifically Arab, Berber and sub-Saharan Muslim populations from Africa and the Middle East, through mass migration, demographic growth and a European drop in the birth rate. Alors,
surtout dans le sud là, avec vos bulletins FN et vos théories de grand remplacement sur vos Facebook aussi là. On vous voit, je vous lis, ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment stupide. Vous êtes vraiment stupide, vous réfléchissez pas. Franchement, vous réfléchissez pas du tout. Je t'explique. Vous croyez vos théoriciens qui disent que le grand remplacement va passer par, par les usines, par l'immigration et par les mosquées, entre guillemets. Mais non, Coco. Je veux dire, tu débarques pauvre dans un pays ou tu débarques sans le sou dans un pays, t'as aucun pouvoir. Je veux dire, tu sers strictement à rien. Mais par contre, si tu débarques par le haut, là, ça devient intéressant. Venons-en au but. En France, l'an dernier, enfin, il y a quelques mois, le taux de réussite au bac était de 87%, je crois. Un truc comme ça, c'est sympa. Très bien. Maintenant, regarde le taux de réussite des lycées français dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. On est à plus de 95% de réussite, plus ou moins, tu vois. Et plus ou moins la moitié du groupe de bacheliers est étranger. Par exemple, l'école lycée français de Hanoï, il cartonne entre 99% et 100%. Donc, faut réfléchir. Ton grand remplacement dont tu nous parles tout le temps, bizarrement, et ton coco Zemmour, il va se faire par le haut, mon gars. Il va se faire par le haut. Les gars, ils sont stupides. Grand remplacement. Parlez pas, c'est n'importe quoi. Réfléchis un peu.